Bonjour, bienvenue chez Chanel. Je suis Alexandra Rayan, rédactrice en chef beauté du magazine Marie France. Leçon de maquillage, suivez-moi. Donc là, maquillage du soir. Focus sur les yeux. Léger sur la bouche, très glamour et chic bien entendu. Le stylo eyeshadow, effet frais. Donc on y va directement sur la paupière, paupière mobile. Là on commence au ras du cil, on fume un petit peu finalement, on dégrade pour pas avoir un effet trop masse sur l'œil, mais très légèrement. Parce que vraiment là, le but c'est d'avoir une couleur très intense sur la paupière mobile. Je travaille avec un pinceau, je pourrais aussi travailler avec la pulpe de mon doigt. On l'applique finalement comme un raisin sur une lèvre, généreusement, et on vient dégrader vers la paupière fixe. N'hésitez pas, on va bien jusque dans l'angle interne de l'œil pour vraiment encadrer l'œil. On pourrait s'arrêter là avec un mascara, cependant, je vais aller juste délicatement travailler le dessous de la paupière inférieure pour donner un côté beaucoup plus glamour et évidemment plus sophistiqué. Quand on travaille sous l'œil, il faut que ça reste très simple. Bien souvent, on peut directement prendre sur un pinceau vierge un peu de produit, c'est suffisant. Donc là, avec un kohl, je vais aller donc déposer du kohl au niveau de l'intérieur de l'œil. Là, on obtient une couleur franchement noir, et comme je l'expliquais, le dégradé du coup se fait instantanément. La touche finale, le mascara bien sûr. Alors bien évidemment, focus sur les yeux, on va aller alléger le reste de notre look. On peut pour le soir placer un enlumineur sur des zones clés comme les pommettes, la racine des cheveux aussi. Et puis on va travailler ensuite la bouche. J'ai choisi une lèvre scintillante, c'est-à-dire un gloss clair, pour vraiment donner toute l'attention au niveau des yeux. On va partir sur ta base de cheveux naturels, juste utiliser une cire brillante pour lisser complètement le cheveu, puisque l'idée est de faire quelque chose de sobre et chic. Donc on va plaquer complètement les cheveux, on va garder ta jolie frange qui est bien graphique comme ça sous ses yeux de braise. Faire une petite attache, un petit chignon tout simple, petit chignon danseuse dans le bas de la nuque. Et on a un joli accessoire camélia qu'on va juste rapporter comme ça, qui va faire la touche chic et choc. Voilà. C'est super simple, on torsade comme ça la petite queue de cheval, on enroule. C'est là. Et voilà, en 5 minutes, une petite coiffure du soir qui sera finalisée avec le petit accessoire qui termine la coiffure, qui au départ est une broche et qu'on détourne en accessoire cheveux. Un camélia, on place juste comme ça à côté du chignon. Et voilà.